Peggy 16. Octavia, à toi. J'ai besoin d'une histoire géniale, époustouflante, fantastique pour le nouveau chapitre de mon livre. Eh bien, j'arrête pas de penser à cette espèce de troll. Il prétendait ne plus dévorer les gens, seulement les livres. On aurait dû le laisser s'expliquer jusqu'au bout. Dans le Nord, on n'aime pas papoter. Surtout pas avec les trolls. Le seul bon troll est le troll mort. De toute façon, le troll serait mort un jour, comme nous tous. Tout est poussière et retournera à la poussière. Allons, Harry. Tu finis par être sinistre. C'est d'ennui que tu vas finir par mourir. Cela dit, je suis d'accord avec toi, vieux râleur. C'était un vrai plaisir de tailler en morceaux tous ceux qui nous ont défiés. Bof, trop poussiéreux à mon goût, les garçons. Vous vous souvenez quand on a failli noyer Jubilost en essayant de sauver son chargement de si précieux bouquins ? Sauvez le chariot, bande d'illettrés ! On aurait dû donner les livres à ces pauvres kobolds. Eux, au moins, ils les auraient lus. Sans mon ingénieuse almanach, nul n'aurait jamais su comment une poignée de cabanes pathétiques est devenue une baronnie acceptable. Et pourquoi notre baron ne dit-il rien ? Ma foi... Prépare ta plume. On est sur le point de créer une nouvelle histoire.